Bonjour les filles. Aujourd'hui, je confectionne la troisième carte. Alors, la carte où il y a une petite tabulation qu'on sort dans le kit qui s'appelle, attendez, je vous donne son nom, Plein d'amour en ce jour, que vous allez voir dans le mini-catalogue Occasion, qui se termine le 2 juin. Alors, si vous aimez cette vidéo ou toutes les autres vidéos que je fais, je n'hésite pas à faire un petit thumbs up ou vous abonner à mon channel YouTube. Vous allez voir plein de vidéos qui vont venir à chaque semaine. Alors, théoriquement, il faudrait coller chaque côté de la carte. Alors, c'est prédécoupé, il y a un côté plus long que l'autre. Il faudrait coller ici sur le bord avec un petit peu de colle liquide. Mais je vous le dis, moi, je trouve que ça rentre un peu serré. Il faudrait que le filet de colle soit très, très, très mince. Alors, j'ai pris une initiative personnelle. C'est la seule chose que j'ai changée sur les modèles des cartes qui nous étaient proposées. Alors, vu qu'il y a bien assez de washi tape dans le kit, j'ai décidé de venir coller les côtés de ma pochette avec du washi tape. Comme ça, je suis certaine que la petite filière, la petite fiche que je vais mettre à l'intérieur, ne restera pas collée dans la carte. Parce que c'est vraiment bien écrit, hein? Parce que tout ce que je fais là, je n'ai rien inventé. C'est écrit, les notes sont vraiment bien données. Regardez, je vous montre là. Alors, c'est bien expliqué ici, c'est écrit tout petit, mais c'est super bien expliqué qu'il faut le coller avec la colle. Mais bon, je ne me fais pas confiance, je sais que je vais cacher le tout. Alors, comme ça, je suis certaine que ça rentre et ça sort super bien. Et c'est d'une grandeur standard pour une carte, il n'y a pas à s'en faire avec ça. Alors, ensuite vient la petite trombone en étoile à laquelle je vais venir faire une petite boucle. Alors, une fois que je suis venue poser ma petite étoile ici sur le coin, je vais venir étamper mon vœu. Alors, je vais travailler à la chaîne. Je vais venir faire les cinq en même temps. Alors, je vais venir choisir dans « Achète ton propre cadeau » du mini-catalogue. Fais-toi plaisir pour une fois. Alors, ça s'adresse, je dirais, à presque toutes les occasions. Alors, ce genre de petit vœu-là est agréable et pratique. Vous avez besoin d'une carte de remerciement, d'une carte de félicitation, graduation, anniversaire. Alors, peu importe, je dirais, l'occasion, tant que, dans le fond, ce que vous donnez en cadeau, c'est un certificat cadeau. Regarde, celui-là est croche. Il y a deux côtés, un carton blanc, non? Regarde-moi ça. Alors, c'est fait. J'ai campé mes 5 vœux. Tout ce qui me reste à faire, c'est venir assembler ma carte. Alors, tout est déjà prédécoupé. Alors, j'ai enlevé les petites bulles dans le carton prédécoupé, mais je n'ai pas eu à m'en occuper. C'était vraiment tout fait pour moi. Alors, c'est facile de venir acheter. J'adore ce brillant-là. Je trouve ça flash à l'os. Et je vais venir y rajouter un petit peu de washi tape pour venir décorer ma carte. Et il me reste encore des petites étoiles. Il y a vraiment beaucoup de petites étoiles dans le kit. C'est super le fun. Je vais venir m'ajouter encore des petites étoiles dans mon kit. Et je vais vous montrer un petit truc pour celles qui ont de la difficulté à manipuler les petits objets en bois. Alors, vous prenez votre colle et vous n'essayez pas de manipuler le tout dans vos mains. C'est trop petit. Alors, vous sortez un petit peu de colle et, oups, c'est fait. Ça va le chercher tout seul et ça vient d'appliquer par le même fait tout seul de la colle. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est venir déposer le tout. Et ça se fait aussi bien avec les grosses étoiles qu'avec les petites étoiles. Vous pouvez venir. Et là, essayez pas de planifier au millimètre près où vos petites étoiles vont tomber. En autant qu'ils sont sur votre projet, moi je dois vous dire que vous venez déjà de réussir votre projet. Pas besoin d'être plus organisé que ça, je dirais. Vous allez avoir un super beau projet. Alors ici, vous allez pouvoir venir écrire votre vœu, venir écrire personnellement ce que vous voulez écrire à la personne. Alors si vous avez des questions sur comment j'ai confectionné cette carte-là ou n'importe quelle autre carte que je vous ai montrée sur mon site web ou sur YouTube dernièrement, vous pouvez me rejoindre à mon site web carterieartisanale.com. Si vous parlez bien le français, vous pouvez même me joindre sur Facebook. J'ai un groupe Facebook Stampin' Up avec Nancy Gauthier où je vous montre plein de choses sur le web.